Et yo tout le monde, c'est Oura, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est là pour, je pense, c'est le dernier épisode de Far Cry. Je pense pas mal que c'est le dernier épisode de Far Cry. La mission, c'est d'or, voilà. Alors je pense bien que c'est le dernier épisode de Far Cry parce que je vais pas vous cacher que j'ai été voir quand la mission est restée. Et j'ai vu qu'en restait deux et je risque de faire les deux dans cet épisode là. Parce que les deux se suivent donc. Je vais les faire en suivant. Alors donc là je vais à 600 mètres pour faire une mission sentier d'or. J'ai pas regardé le contenu, hein. J'ai juste vu qu'elle se suivait donc. Je pense que vous voyez de quelle mission je veux parler. Hein. Bon, c'est bon. Et j'ai cru que le buggy n'avait plus accéléré. Je me suis dit, what the fuck, mais pourquoi? Au dernier épisode, on a été exclure Saba de la communauté du Kirat. On nous a demandé de le tuer, mais on l'a pas tué parce que, enfin voilà, comme je pouvais pas le tuer. Des personnes l'ont fait, hein. J'ai vu des displays où des personnes l'ont fait. Ils les ont tués à Mita. Parce que si on choisit Saba, Saba nous demande de tuer à Mita. Bon, bah, vous m'avez compris, c'est deux histoires parallèles. Hein. Oh, c'était magnifique le 3-6 là. Oh, il y a quelque chose. Il y a un camion qui est détourné. Hop. Alors, bon, on va aller voir. Attention à moi quand même. Ouais. J'ai assez de munitions. J'ai pas besoin d'en chercher plus. Alors, je sais pas ce qu'il fout là, la 933, mais bon. Alors, donc ça fait. Ici, je suis à 500. Ici, je suis à 500. Ici, je suis bon. Et le M133, j'aurais bien aimé le changer avant, mais bon. AJ, on t'attendait de pied ferme. Tout le monde se regroupe pour lancer un assaut final. Elle hurle. On attaque la forteresse de Pagan. Ce sera pas facile. J'ai appris pour Sabal. Tu peux penser ce que tu veux. Pour moi, Amita n'agit que pour le bien du Kirat. Et quand on choisit Sabal, elle dit ouais, je suis sûr que Sabal joue bien pour le truc de Kirat. Oh putain. Alors là les gens, c'est un truc, c'est assez fort comme truc, c'est l'assaut de la forteresse de Pagan, je crois. Ah non, c'est une des forteresses de Pagan, donc c'est celle-là. Et donc chez Pagan, c'est ici. Et là c'est la forteresse de Pagan. Là c'est la forteresse en sortant de chez lui où on a été. Et là c'est chez lui. Donc, vous voyez en fait l'histoire, ça fait une boucle. On commence chez Pagan, on finit chez Pagan en fait. Vous voyez, on la voit au loin en plus. Bon, j'ai pas de sniper. Et ça qui me gêne un peu parce que je pourrais pas prendre dans fufu. Mais comme je crois que c'est du plus en fonçant dans toi, comme j'ai déjà ma victoire lourde, c'est bon, non, je pense que le jeu ça va aller très vite. Regardez le décor, comment il est vraiment différent au Kirat du sud. Attaquer la forteresse. Oui, bah je vais peut-être attendre les autres. Hein. Je vais pas attaquer tout seul. Ok, ça attaque directement au mortier. Allez. On attaque ça, forteresse royale. Allez. On est chaud. Ils se sont fait déchiqueter. Et c'est la première fois que vous me voyez. C'est une des premières fois que vous me voyez avec des seringues de soins. Alors c'est vraiment cette arme qui est cheatée. On va se soigner. Vous voyez bien que c'est l'arme. Regardez les munitions que j'utilisais pour l'instant. Hop. Elle est quand même hyper précise de loin, waouh! Je m'y attendais pas. Il y en a encore sur le côté est.
Ah c'est bon, ils ont pété la porte. Allez, allez, on fonce. La meuf qui répète deux fois la même phrase, vous voyez. Regardez, regardez-vous, j'ai buté en 3 secondes. Pourquoi moi? Donc, poser ces 4. Attention, 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 et... Allez, on fonce. Ceci est un Fallen Kingdom, les gens. Sécurisez la cour, ok, donc faut en buter les gens. Par où, monsieur? Ta gueule, toi. Ta gueule, toi. Soignez. Ouais, y'en a des qui est hip-hop. Donc je capture ça. Là c'est de la capture de flag en fait. Capture de flag, c'est la domination. Je vais recharger ici. Regardez le nombre de balles qui viennent tomber. J'ai eu peur d'un coup, hein. Bon, on fonce. Quand même pas mal à côté de balle, hein. Bon. Bon, l'hélico est tombé. On tient la salle de communication. C'est fini. Il faut plus appeler le renfort. Il est où? Il est con, lui. Bon. Je capture ça. Lâche pas n'importe quel rebelle, hein. Une putain de mitrailleuse lourde. Ah mais là c'est par où je passe, les méchants trépassent, hein. What the fuck. Crève toi. On va recharger. Bon, j'ai pas pu tout prendre en munitions, bon, ça me dégoûte. Non, je rigole. Bon, vous avez vu ce qu'on a pu faire. C'était quand même hyper rapide, hein. Très sincèrement. Allez, on fonce. Alors là, pour ceux qui voulaient pas. Qui croyaient qu'il n'y avait pas d'action, etc. Là, là, on est bon. On est chaud, là. Alors, je pense qu'il y a une porte qui va te défoncer, là, obligé. Repousser la dernière attaque. Ah ok. Ah pardon. Ah ouais. C'est. Venez. 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 Je vous attends. Comment être précis avec cette arme déjà? Je vais faire comment? On court, toi crève, hein, je sais pas. Bon, comment il fait pour passer lui? Oh merde! J'ai fait une connerie. Pardon.
Je voulais pas. Eh, je vais descendre plutôt, c'est plus simple. Ça apportera encore plus d'XP. Et je pense qu'avec ça c'est bon. Je peux plus faire une exécution, mais ah voilà. Revenez sortir dehors. Ben j'arrive les amis, j'arrive. Non, ils sont sérieux. Oh please. L'agence de la viande déjà sûr. Ouais, est-ce que j'ai encore du C4? Oui, j'ai encore du C4. Voilà. Mais ce qui est fait, est fait. Le dîner sera bientôt prêt. Ça, je vous disais, les deux missions se suivent. Amita, et donc, on va pas. Je vais vers le palais. La garde royale contre-attaque. On arrive le plus vite possible. Je vais m'occuper de Pagan. Et là, on va chez Pagan. On va foutre le bordel chez lui. Pas nécessairement le buter. Quoique. Ouais, si. C'est tentant, hein. Sérieusement, de le buter, c'est vraiment tentant. Ouais, comme on n'a pas buté sa balle, on a buté Pagan. À la base, je voulais pas me mettre dans la merde, hein, mais. Voilà quoi. Alors. Bon, bah, on roule, hein. On va vers chez Pagan. Je sens que cette musique va être copyrightée. Je sens que cette musique qui passe là. Mais bon. Il y a un avis pour Pagan, je vais plus la retirer. C'est un peu long la route, mais bon. Palais Royal. Et vous voyez, c'est par ici qu'on est. Non, c'est pas. Est-ce que c'est par ici qu'on est sorti? Je pourrais pas dire. Est-ce qu'on peut faire le tour? On peut faire le tour. Voir par où on est sorti. Comme immense son palais, hein. Wow. On n'est pas sorti par là. Il semble pas qu'on est sorti par là. On peut pas dévier de chemin. On n'est pas parti par là. Entre dedans. Pardonne cette ambiance austère, j'ai congédié le personnel. Mais peut-être les as-tu tués en arrivant ? Bon, avant de commencer, qui est en face de moi, là? Le fils, revenu disperser les cendres de sa mère, ou le malade, qui sème les cadavres jusque sur ma montagne? Parce que si je parlais au premier, je lui dirais de s'asseoir, d'être courtois, et de partager un bon repas. Mais attends, on a déjà essayé, pas vrai? La première fois, tu étais assis là. Paul était occupé à électrocuter les tétons de ton invité très grossier. J'étais debout, juste ici. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Ah,
Reste ici. Mange tes raviolis au crabe. Ne bouge pas. Je reviens tout de suite. Or, si tu m'avais écouté et que tu m'avais attendu, nous serions venus directement ici, disperser les cendres de ta mère. Alors je dois parler à l'autre AJ, celui qui ne m'a pas écouté, qui est parti et a rejoint les autres macaques pour balancer sa merde partout. Mais tu sais quoi? Je te laisse une deuxième chance. Pour moi, deux choix s'offrent à toi. Tu pourrais me tuer, très original, ou bien tu t'assois. On mange et on va disperser les cendres de ta mère ensemble. Alors, je vais pas le tuer tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je pense qu'ils pourront nous donner des informations sur notre mère, etc. Alors, qui tu as tué? C'était Amita, Sabal. Ça n'a pas d'importance. Je le sais déjà. Je veux juste t'entendre le dire. On n'a tué personne. Bonté divine, tu n'as même pas sourcillé. Est-ce que tu réalises que tu abandonnes ton pays? Hein? Il est à toi. Il l'a toujours été. Le Kirat est à toi. Si je t'ai sorti du bus, c'est juste pour pouvoir te le transmettre. J'imagine que tu pourrais le reprendre. Tu es à mi-chemin. Il te suffit de tuer l'autre. Je ne voudrais pas t'influencer. Mais nous savons au moins que tu as le goût du travail bien fait. Inutile de tergiverser plus longtemps. Allons-y. Oh, et n'oublie pas ta mère. Il est con. Pardon. En fait, il est pas si méchant que ça, c'est pas vraiment le méchant du jeu, Pagan, hein. Il a buté personne dans le fond, hein. Parce que Darpan, il a juste. Représente tout ce qu'il reste de l'ancien Edge, celui d'avant le Kirat. Une fois ses cendres dispersées, tous tes liens avec ta vie d'avant seront rompus. Et après ça, quoi? Bon. Je suppose que tu peux faire ce que j'ai fait quand Mohan a tué Lakshmana. Oh, tu ne savais pas, c'est ça? Oui, ton père a tué ta demi-sœur, et puis ta mère l'a tué à son tour. Je me suis contenté de poursuivre son œuvre. J'ai tué tellement de gens pour eux. Mais je me suis rendu compte... que j'utilisais simplement la mort de Lakshmana comme une excuse pour tout ce que je voulais faire. Tout comme toi, tu te sers de ses cendres pour justifier tous tes choix et toutes tes actions. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon, hein? Bien. Tu as atteint ton but. Tu sais, la seule et unique fois où je suis venu ici, je suis entré sain d'esprit et ressorti. Ça. Mais toi, tu ressortiras en roi. Allez, vas-y. Fais ce que tu es venu faire. En fait, Lakshmana, c'est pas un lieu. Lakshmana, c'est pas un lieu. C'est la demi-sœur des DJ. C'est la première fois qu'on va lire ça. Hein. Push. AJ, sache que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Je n'ai toujours voulu qu'une chose, que tu grandisses dans un pays sûr et prospère. Mais ce choix demande des sacrifices. Je rêve de ne pas avoir été là pour voir tes premiers pas ou entendre tes premiers mots. Ma charge de commandant laisse
peu de place aux sentiments et aux distractions. Ta mère s'énervait toujours quand je parlais de te former plus tard. Mais si je ne survis pas cette guerre, tu te prépareras à prendre ma place. L'avenir du Kirat est entre tes mains. Moine Gale. Pagan, il est pas si méchant que ça en fait. Et Lakshmana, c'est elle. Cette petite fille. Et c'est exactement la même urne. Ah mais le jeu devient tout de suite bouleversant en fait. Oh, ça sort vite. Est-ce que je peux faire ce que je veux faire? Et boum! Voilà. C'est ce que je voulais faire. Oh. Calme-toi la mitrailleuse. Ok, la mitrailleuse ne va pas se calmer. Ah si, c'est bon. Voilà. Bon, et ben voilà. On a fini Far Cry 4, les gens. Donc le jeu était vraiment super. Très simple, mais était vraiment super bien. Non, should I stay or should I go? Alors le jeu était vraiment super bien. L'histoire était pas mal. Bien que j'ai préféré le 3. Très sincèrement, j'ai vraiment préféré le 3. Et vraiment, je suis content de vous l'avoir fait. 31 épisodes, c'est pas mal. Le jeu n'est pas fini parce qu'il y a encore des quêtes de Longinus et de Yogi Reggie. Donc il en reste encore 2 de chaque. Donc on va les faire. Donc il reste encore 4 épisodes à faire. Ou 2, je verrai si je les enchaîne. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Si vous voulez la suite ou si vous voulez que le let's play s'arrête là. Bien que je record quand même, hein, bon voilà quoi. Allez, à plus tout le monde et j'espère que ça vous a plu cette let's play.